pour multiplier d'autres Jésus. Pour multiplier d'autres membres de la famille. Les membres de la famille, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Et c'était gratuit au bas du calvaire. Chaque personne qui veut être de la famille de Dieu, qui veut simplement croire à l'ordonnance. Et quelle est la plus grande ordonnance que Dieu nous a donnée? Et de croire à ce que dit son fils. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque part. William Arorana. Il dit, quand quelqu'un refuse l'ordonnance, il mourra. Il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il dit, c'est comme une ordonnance du médecin, paragraphe 97. C'est comme une ordonnance d'un médecin contre une maladie. Il ferait une ordonnance contre une maladie. Les médecins feront cela. Et amenez-le chez un pharmacien charlatan. Non. Il dit, les médecins feront cela. Quand il y a une maladie, les médecins doivent faire une ordonnance. Vous voyez, vis-à-vis de l'examen qu'il a fait. Maintenant, beaucoup de gens regardent ce que les gens font. Les gens prennent l'ordonnance. Ils partent chez un charlatan. Le prédicateur charlatan. Le pharmacien charlatan. Alors il prend ces documents-là. Cette ordonnance-là. Il va chez le pharmacien. Seigneur, que Dieu m'aide. Nous avons voulu ça. Et je crois que pendant qu'on parle du grand médecin, il m'a toujours rassuré. Quand tu parleras, ce n'est pas toi, Noé. Et le pain qui sortira. Là. Et que les gens attendent ça. Là. Et il a déjà son père miraculeux. Que Dieu vous aide. Il dit cela vous tuera. Ça doit être écrit précisément selon les médecins. Chaque ordonnance doit être écrit précisément selon les médecins. Est-ce que vous croyez que nous avons un grand médecin? Nous avons un grand médecin. Nous avons aussi des médecins. Alléluia. Amen. Il y a les médecins en chef. Et il y a aussi deux médecins. Alléluia. Amen. Amen. Frère Benham dit, et l'ordonnance du médecin, c'est ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui. C'est manque de suivre ce que l'ordonnance de Dieu dit. On va parcourir. Et l'ordonnance du médecin, c'est la façon de recevoir le Saint-Esprit. Nous a été donnée par le docteur Simon Pierre. C'est ça, non?
Les jours de la Pentecôte. Je vais vous donner l'ordonnance. Et le président c'est mon père a dit que je vais vous donner l'ordonnance. Et quel mon propre Pierre de Romain dit que c'est l'ordonnance que docteur Simon Pierre a donné. Ah, quand on a dit que vous, donc tu mon appel de mon fila. Il dit répentez-vous. Et yen la la yé. Vous voyez ce qui a été dit l'ordonnance? Vous voyez la fille de Wass. Il dit chacun de vous, il soit baptisé au nom de Jésus Christ. Il est quel mot baptisé? Jésus Christ. Pour la rémission des péchés. Dans les péchés, il y a des maladies. La pauvreté. La stérilité. Vous voyez l'ordonnance ici? Il dit pour la rémission des péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Et quand nous parcourons, que qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus. Est-ce que vous voyez? Quand quelqu'un est vie, et qu'il a donné la vie, c'est directement cet homme-là qui est en train. Quand Jésus mort, directement la vie. Oui, pas tu m'as dit. Il était dans le maïs. Pas tu m'as dit. Moi, vous me dites là. Il vient la vie pour quelqu'un de marcher. Et yo, aujourd'hui, le mot est mon dieu. Pas du tout. Il monte le chemin. Il a commencé la cave. Ma foi, oh. Alléluia. Pas tu m'as dit. Ben, dernier mot, il coupe à coup de la cave. Bifoua. Toi, dernier mot, il coupe à ta foi. La guérison, c'est Jésus. L'ordre pour Jésus. Quand il entre, vous le premier qui est entré en vous. Par hier, ce moment, le mouvement, c'est ça l'essentiel. C'est que ça m'a dit. Frère Banam dit. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Pas la prophétie, mais les dons du Saint-Esprit. Quel mouvement y a-t-il prophète de Togadino qui dit que pas d'animaux mouillés pas? Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus sous forme invisible. Et moi, si vous le voyez, vous me dites que vous m'avez dit. Car l'ordonnant est pour ceux qui sont au loin. Et aussi grand nombre, même que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et frère Benham appelle cela l'ordonnance éternelle. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé à l'éternité? Écoutez, c'est pour vous donner la soif. Et vivre dans les temps. Écoutez, vous avez vécu dans le ventre de votre maman. Frère Banam dit que c'est une autre monde. Vous avez apparu sur la terre. C'est une autre monde. Mais il y a une monde. Frère Banam dit que un monde réel. Un monde réel. N'est-ce pas de toi qu'on parle? Oui, c'est la vérité. C'est lui qu'on parle. Est-ce que vous êtes au hasard? Si Dieu était au hasard, vous aussi vous étiez au hasard. Est-ce que tu manges au hasard? Non, 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 please. Alléluia. Amen. Je me touchais. Des points forts. Et points forts de l'éternité. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Mais c'est le moyen de me. Je ne sais pas. Il dit à mon que je trouve ça. Si je ne trouve pas, c'est le problème. Même si vous êtes au moment de ce point. Oh Seigneur, aide-moi. Et vous allez en aboli ça. Je me touchais un peu de cible. Il dit que vous allez en aboli. Je touche un peu les cibles. Ce sont des choses que le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas toucher à ce côté-là. Toucher du côté de l'éternité. Oh, c'est grave. Si je ne trouve pas, c'est un problème. Au moins que je trouve.